Allez, salut à tous, c'est Nixos et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Terraria. Si je me gourre pas, c'est l'épisode 5. Donc j'ai un peu miné en solo pour ramasser tout le cuivre et tout qu'on avait trouvé. J'ai été chercher les démonites qu'on avait vu sur le côté. Donc on va faire une séance de fondage de minerai. Et puis j'ai découvert un truc, donc j'ai pas été plus loin, j'ai juste vu que c'était un truc spécial. Et on va aller explorer ça ensemble dans cet épisode. Vous allez voir, à mon avis, ça va être à peu près bien stylé, ça rase la mer. Alors, on va juste avant se faire un nouveau coffre. Qu'on va mettre ici. Voilà, alors on va tuer lui. Hop. Donc, je disais, on va fondre du minerai. Donc, j'ai récupéré beaucoup de minerai. Enfin, beaucoup, ça va, hein, en tout cas. Je pense que c'est une bonne récolte, peut-être pas en fer en fait. Mais en tout cas en cuivre, ouais. En démonite évidemment. Bon bah un lingot, c'est déjà ça. J'ai aucune idée de ce que c'est ça. Plaque de pression grise peut-être placée s'active en marchant dessus. D'accord. Je sais même pas que j'avais ça. On va acheter les pousses d'arbres parce que ça va se récupérer facilement. Bon bah c'est tout en fait, j'ai pas récupéré grand chose. Ah ça, je crois que ça c'était utile pour faire un truc, mais je me rappelle plus quoi. 3 lingots, je peux en faire plusieurs. On va en faire. On va en faire. À mon avis, je vais avoir de nouveaux crafts. Ah non, c'était des lampadaires, donc ce qui est plutôt pourri. Ah oui, aujourd'hui aussi, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une maison. Eh oui, parce que voilà, je voulais faire une maison. Donc on va faire une maison. Bon bah pas grand chose en fait. Je vais refaire quelques torches. Ouais, je vais en faire. Voilà. Hop, 15. Histoire d'être tranquille. Alors ici, dans ce coffre là, j'ai pas mal de lingots. Donc on va tout prendre. Voilà. Donc ici on va poser les trucs spéciaux, c'est-à-dire ça. Bah ça du coup. Les pièges. J'en avais déjà mis. Ok, les blocs de pierre, on va faire un coffre pour ça. Ah oui, j'ai récupéré du sable aussi. Je vous montrerai où tout à l'heure quand on redescendra dans la mine. On va poser les tournesols. Bah les démonites, non, ça c'est après. Bah là-bas, plaque de pression. Potion, les shurikens. Ok, on va faire ça comme ça. Et ici. Alors ici, on va mettre notre argent. Comme ça, si on crève, bah je perds rien. On va mettre tous nos lingots. Histoire d'être tranquille. D'avoir de la place sur nous. Les blocs spéciaux, c'est-à-dire les blocs de terre, d'argile, enfin pas de terre mais d'argile et tout. Bon, de la pierre je vais en poser parce que j'en ai vraiment beaucoup. Blocs de terre aussi. On va juste garder ça sur nous, du bois. On va aller récupérer du bois aussi vite fait. Rapidement. Hein. Et les minerais on va les poser évidemment. Oh, quoique non, les minerais on va les garder avec nous. De toute façon on va en miner donc autant tout garder sur nous. Les champs pipi qui font du bien, on va les poser là. Les graines, j'ai aucune idée de ce que c'est. On va garder ça ici. Ouais, bon, les graines, on va les garder. Toiles d'araignée, c'est pas ici, ça va là-bas. Tac, les toiles d'araignée, ça va là. Ok, j'ai bien vidé mon inventaire. On va refaire vite fait du bois. J'ai coupé 2-3 arbres ici, ça va repousser. Ça va repousser des grands arbres, ce qui est plutôt cool. Donc on va juste couper voilà les deux grands qui sont juste ici là, celui-là et celui-là, histoire de se faire un petit 250 presque de bois, histoire d'être tranquille, voilà, histoire de faire des passerelles et tout. Alors on va juste replanter, allez, pause, je m'en détruirai jamais, je suis habitué à Minecraft et au clic, enfin l'autre clic quoi. Attendez, là j'ai gâché pas mal de bois, allez. Non, je peux pas l'avoir, tant pis. Alors toi, je vais te tuer. Voilà. Totalement gratuit, c'est ça qu'on aime. Attendez, si je vais tenter un truc. On va mettre des pousses d'arbres ici. Ça, en plus, ça va me vider mon inventaire. Puis si ça pousse, ça pourrait être drôle. Donc voilà, j'ai bien vidé tout mon inventaire. Donc on va pouvoir y aller. C'est parti, les amis. Allons-y, let's go. Alors, c'était par ici. Voilà. Là on descend, ensuite on va par ici, là j'ai fait une nouvelle plateforme. Pour ceux qui se rappellent, là c'était un mur dégueulasse, je sais pas pourquoi j'avais laissé ça. Alors ici, attendez, on va mettre une torche ici parce que pas très éclairé. Voilà.
Ici, tac tac tac. Alors le sable, je l'ai récupéré là-bas. Bah en achant. Ah non, oula, je vais y arriver. En allant chercher les démonites. Oui, ici j'ai fait un transvisage de haut. J'ai envie de me marrer. Enfin bref. Donc, ici j'ai récupéré les démonites. Donc il y en avait une ici, il me semble, tout comme ça. Donc là, il y avait pas mal de sable. Donc c'est pour ça que j'avais récupéré du sable. Et nous, aujourd'hui, on va aller. Donc ici, j'avais fait une mine. Hein. Mais en fait, j'ai trouvé un truc beaucoup plus intéressant, c'est ça. Et ça, si je me gourre pas, c'est une sorte de mine. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Essayer d'un peu explorer. Et j'ai vraiment trouvé ça par hasard, c'est qu'il y avait du cuivre ici, donc j'étais en train de le miner. Et je suis tombé sur ça, j'ai fait what the fuck. Alors, il y a un slime qui va venir me casser les couilles, non? Ouais. Il va venir me les péter. Ah non, même pas. Ah si. Bon, je vais aller le tuer au cas où parce que il va me saouler sinon. Voilà. Attendez, on va leur faire. Alors attendez, il me faut. J'ai pas refait de barrière. Voilà. On va en faire pas mal. Voilà. 45 sera déjà pas mal. On va les mettre ici. Tac tac. Alors, toi je te tue. Parce que ça. Comment ça me saoule à être tout le temps là, lui? Mais toi aussi, tu me saoules. Tous les slimes me saoulent aujourd'hui. On va faire une tuerie. Voilà. Je pense que les slimes peuvent pas passer ça, donc. Si on met une torche. Donc c'est parti, cette fois on est parti. On va péter ça. On va mettre ça ici, histoire de pouvoir y aller. Et il y a un coffre en or. Donc ça c'était une porte, ok. On va juste aller péter les pots en haut. Alors je sais pas du tout ce que c'est, cette espèce de truc là. En fait c'est tout petit, il n'y a que ça ou ça se continue derrière? Attends, on va aller voir ça. Alors. Ok, donc ici, le coffre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! Un boomerang enchanté, nice! Potions brillantes et des torches. Oh putain, le. Ah, 99 le max de stack. 13 de dégâts, 7. Oh putain, 4% de chance de critique, bon, ça va être pareil. Recul extrêmement fort, matériaux, hein. 15% de dégâts, ok, très rapide. Oh, c'est trop stylé, attendez, on va le tester. Ok, ouais, je vais faire trop mal avec ça. Alors, je peux pas récupérer le. Ah oui, alors j'ai été con. Alors, on va se faire vite fait un établi. On va le poser là. Voilà. Et là, je vais pouvoir me faire un marteau. Voilà. Et vous allez me dire, what the fuck, pourquoi un marteau? Parce qu'avec, je peux récupérer. Voilà, je peux récupérer les trucs. Donc, on va récupérer le coffre. Voilà. Bah écoutez, putain, ça c'est une bonne découverte de porc. On va récupérer un peu de bois. Ah, là-bas il y a 4 de démonites, on va aller le chercher ensemble. Alors là, c'est une caverne bizarre. Ici il y a un minerai, tout seul. Ok, voilà. Alors on va tracer tout droit. Hop. Voilà. On va faire un truc tout droit. On va chercher la démonite. Parce que je sais pas trop à quoi ça sert mais ça peut être utile. Putain, je suis trop content pour le boomerang là. Je vais bien faire mal avec ça. En plus il va super rapide donc il est très très rapide. Donc ça c'est plutôt cool. Mettre une torche. Il y a encore du cuivre en dessous. Et à mon avis, même là-haut, ça ne m'étonnerait pas que ça soit de l'argent. J'irai miner ça en off, hein, comme j'ai fait l'autre fois. Tous les trucs qui sont là, je minerai en off, comme j'ai fait, parce que c'est plus pratique. Ça vous évite de voir du minage intensif comme des cons pendant une heure. Enfin bref. What the fuck? Alors là, je ne peux plus bouger. Ah, ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Je pouvais plus tourner. C'est un peu what the fuck. Allez, on y est presque. Ah, je vais avoir un stock de pierres. Ah, attendez, là, il y a un autre minerai, là.
Ruby, nice. Stylé ça. Bon bah écoutez, j'ai un nouveau... découvert un nouveau truc, du ruby. On commence à faire des stocks hein, avec le topaz et tout là. Plutôt stylé. Le topaz, j'ai vu, ça me sert à faire des torches jaunes, ça sert strictement à rien. Mais bon, écoutez, hein, pourquoi pas. Le ruby, bah je sais pas, peut-être faire des torches rouges. Bizarre. Hop. Voilà, on y est. Et de l'argile, tiens. Hop, hop, et hop, et hop. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ici, il y a un putain de... de filon de cuivre. Assez énorme. Et là, en dessous, il y a quoi? De la flotte, c'est tout. Alors, on va casser ça. Ah, il y a un serpent qui arrive. Il est où? Voilà. Bon. C'est fait. Ouais, c'est que de la flotte, hein. Super, super intéressant. Bon bah tout ça je vais récupérer enfin le tout cuivre. On va vite fait aller ici. On va poser une torche. Voilà. Parce qu'il y a ça, il me semble que ça. Racine clignotante. Ok. Écoutez. Hein. Alors là il y a pas mal de monstres. Ok, on arrive au même stade où on était l'autre fois, donc bon. On va continuer par ici, hein, ce sera plus simple. Ah merde, il y a encore le... Ah, c'est bizarre ça. Je l'avais jamais fait encore. Espèce de bug là. Ouais, on va utiliser de la pierre. Hop. Ouais, bon, on reliera ça plus tard au pire. De toute façon, ça au pire, ça pourrait être notre base de... notre base de mission, on va dire. Genre, je mine et tout, et puis au lieu de remonter tout en haut, je m'arrête là. Ça pourrait être pas mal. Ah, encore un serpent. Ah, il est là, je le vois. Je l'ai vu, il est là. Allez, viens là, bâtard. Il est où? Ah, le bâtard, je l'ai pas eu. Il est bientôt mort là. Allez, allez, viens. Fais pas ta tapette. Voilà. Alors, par ici, des minerais. Ah, il y a un poisson là-bas. Bon, tant pis. Ah, un zombie, ça. Un zombie, je sais pas ce qu'il fout là. Ah, là. Voilà. Ouais bah pas grand chose hein, je sais pas ce qui s'est passé. Ah le bâtard. Ah ça c'est stylé. Pour éclairer. C'est énorme. Je m'en doutais là. Petite chauve-souris, on se dit oh c'est mignon. Puis bam, défonce derrière. Allez pose une torche toi. C'est quoi ça? Un squelette. C'est des archers, il me semble. Ok. On commence à avoir des monstres un petit peu plus. Un peu plus hardcore là, quand même. Ah, mais merde! Ça fait encore deux bugs là. Putain, c'est chiant ça. C'est chiant. Bon alors ici. Ah ça c'est pas un méchant doré, ça c'est un poisson méchant il me semble. Voilà. Ah il y a pas mal de minerais. Hein.
Ah. Bon, on est tombé. Oh là là. Allez. Vous crevez. Oh merde, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est un slime qui fait apparaître d'autres slimes. C'est violent ça. On peut pas le récupérer lui? Bon, bizarre. Alors il y a un autre squelette là, je l'ai vu. Ah, un slime rouge. Bon bah il tombe dedans, au pire. Il va falloir que j'y aille, mais si je saute là, je vais me faire. Ouais, c'est pas grave, c'est parti. Voilà, on va les défoncer comme ça. Allez, viens. Voilà. Et toi? Voilà. Ok, bon, ici il y a que de la caillasse. Donc là-bas j'ai vu qu'il y avait de la démonite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un passage comme l'autre fois, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Ça on est plutôt tranquille. Bon bah voilà, maintenant on va tracer tout droit. On va chercher la démonite et puis bah après avoir cherché la démonite, je pense que je vais vous laisser. Encore un épisode de minage, hein. Excusez-moi si ça vous plaît pas, mais bon, il y a du combat quand même. Un peu panier. Combat minage. Fighting lols. Et le premier squelette quand même, hein. Faut avouer. C'est notre premier squelette. Des monstres qui apparaissent quand même plus loin au fond. Ah, c'est quoi ça? Limon. Il y en a plein là du limon, je sais pas trop ce que c'est. Ah, si, c'est ce que c'est, mais. Je sais pas à quoi ça sert. Si on va pouvoir faire des trucs avec. Je prends au pire, hein, on verra bien. Bon, en tout cas, en off, hein, j'ai éliminé tout le cuivre qu'on a trouvé. Et ça sera déjà pas mal. Je sais pas si je continuerai à explorer les sous-sols sans vous, je vais voir. Parce que quand même, parfois, je trouve des trucs assez stylés. C'est vrai qu'une découverte ensemble, ça pourrait être pas mal. Alors, tout de suite, casse. Et de la démonite. Ça, c'est cool. Espèce de démonite. Là, il y a une autre caverne. Bon, rien d'impressionnant. Bon, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la page Facebook et tout ça. À me dire si vous aimez. Et tiens, donnez des astuces. Pour rien, si vous voulez. Parce qu'écoutez, vu que je redébute, hein, s'il y a des astuces que je ne fais pas alors qu'il faudrait, elles sont le bienvenu. Et sinon, bah, sinon voilà, écoutez, hein. À la prochaine. On va juste péter ça. Et donc la prochaine fois, bon, on continuera à explorer les sous-sols, je pense. C'est quand même le plus intéressant. On ira peut-être poser les tournesols comme prévu l'autre fois. Ah, là, il y a un stade. On passe un cap. On fera ça ensemble. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.